Salut! Salut! On se retrouve aujourd'hui pour The Vidéo. Vous ne savez pas quel jour on est, mais je vais vous le dire, on est le mardi 9 avril et aujourd'hui, on va assembler le puzzle! Yes! On a trop hâte! Ouais, grave. Donc on a déjà tout préparé. Le puzzle, il est emballé, vous l'avez vu sur la vidéo précédente. On a emmené donc tout ce qui est scotch, ciseaux, feuilles de papier, papier cellophane, tout ça pour nouveau le remballer par la suite. Et donc l'objectif du jour, c'est de le déballer. On va le faire en vidéo. On ne sait pas encore comment, mais il y a un de nos copains qui vient filmer avec un drone. Donc normalement, vous devrez réussir à le voir en entier. Ça va être trop cool. On va essayer de filmer en timelapse le temps qu'on l'assemble. J'ai dit essayer parce que je suis pas sûre que mon téléphone supporte de filmer tout ça. Et on verra. Comment, ce que ça va donner. On espère que la vidéo elle sera cool, que vous allez la kiffer. Et puis nous on va se préparer pour y aller. Voilà. Maintenant l'objectif c'est encore de réussir à descendre. On est au deuxième étage. Il ouais. faut qu'on descende les escaliers avec la plaque avec le puzzle dessus. Et en plus il pleut dehors. Ouais. Donc faudra y aller rapidement. Et la plaque elle pèse combien tu crois? 20 kilos? 20 kilos, ouais, un peu plus. Ouais. Ouais. Ouais, 20 kilos je pense. Ça va être bien rigolo. Ouais. Et du coup nous on va tout mettre dans la voiture et on se retrouve tout de suite. Ça y est, le puzzle est dans le coffre et là on l'a calé. Franchement, ça rentre tout pile dans la voiture. Hein. Et j'ai chargé aussi Laura. Du coup, on est parti. Et voilà, on est arrivé dans la salle. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc c'est ici qu'on va poser le puzzle. Donc c'est vachement grand pour vous donner une idée de la taille de Laura. Bon, elle fait 1m30 donc. Vas-y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, il va faire normalement. Voilà, il va faire tout ça. Donc maintenant, on attend Max. Et après, on va commencer. Et nous voilà avec Max. Salut à tous. Du coup, je suis Maxime. Je suis vidéaste, photographe et télépilote de drone professionnel. Voilà. Parce que nous, tout ce qui est drone, vidéo stylée et tout, c'est pas notre truc. Hein. Voilà. Donc c'est des vidéos avec téléphone. Lui, c'est le pro qui va se charger de tout ce qui est filmé, filmage, tout ça. C'est ça, ouais. Donc là, on a déjà juste le téléphone à Laura pour le timelapse. Et le grand puzzle, il est tout là-bas. On est parti pour tout mettre ici. Du coup, on a déjà fait la première partie. On a assemblé la première partie qui était divisée en trois. Donc ça donne ça. Sachant qu'en tout, il y aura 7 parties. Donc. Ça va encore être un peu grand, quoi. Madame est en train de ranger les feuilles. C'est toujours moi qui fais ça, le boulot. Donc là, pour l'instant, ça ressemble à ça. Franchement, là, ça avance bien. Et ça s'emboîte super bien. Franchement, on a mis quoi, même pas 5 minutes à assembler tout ça? Ouais. Franchement, ça va vite. Et là, Max, prépare le drone. Il va sortir le drone de compète. Bouge une fois le drone. C'est une qualité ouf, hein, quand même. Ouais, c'est ouf. Bon ben, on va filmer ça. Trop stylé. Ça fait un petit bruit. D'accord. Bon, l'objectif, c'est d'essayer de pas le casser. Ouais. On a confiance. Ça y est, on prend les derniers plans du puzzle. Et le puzzle est assemblé au passage parce qu'ils l'ont pas vu. Ouais, ben, j'espère que la vidéo, elle sera bien. Ouais, j'espère. Thank you.
Et voilà, le grand puzzle est enfin terminé et assemblé. Franchement, ça fait trop plaisir. Ouais, on a mis à peu près 30 minutes à l'assembler. Ça a été hyper vite. On ne pensait pas que ça serait aussi rapide. On était vachement efficaces. Ouais. On a bien fait de le diviser en trois parties, d'avoir déjà tout collé, séparé avec des feuilles. Franchement, c'était vraiment un plaisir. On n'a pas eu de mal à les emboîter. Tout s'est déroulé à merveille. Comme sur des roulettes. Et du coup, maintenant, on va le laisser exposer encore demain pour que nos proches, les gens du village puissent venir le voir. Et ensuite, on va devoir le démonter, ouais, de nouveau l'emballer, le ranger pour ensuite pouvoir l'emmener à la fondation dans les prochains mois. On ne sait pas encore quand, on n'a toujours pas de date, mais ça ne devrait pas trop tarder. Voilà, le temps qu'on les appelle. De toute façon, on doit faire une vidéoconférence avec eux pour savoir à peu près. Donc on fera ça, on mettra ça en place. La vidéo où on l'offrira à la fondation, elle n'est pas pour tout de suite. Non. Faudra attendre quelques mois. Mais comme d'habitude, hein, on fera les choses, ça prend juste un peu de temps. Voilà, et puis on vous montrera tout en vidéo parce que c'est quand même le but que vous le voyez. Ouais. Au final, accroché au mur, je pense que ça va être incroyable parce que finalement, cette salle, elle est ultra grande et il a l'air quand même vachement petit. Ouais. On n'arrive pas à se rendre compte qu'il fait quand même 8 mètres, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, comme j'ai dit avant, il est plus long, mais il est moins large. Que l'autre, ouais. L'autre, voilà, il était plus large et un petit peu plus petit, quoi. Mais là, il y a quand même 1600 pièces de plus, quoi. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes content de voir enfin ce puzzle assemblé et terminé. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, à mettre des likes et à vous abonner. Et encore un grand merci à Maxime qui a filmé, qui sans lui tout ça serait impossible parce que moi, piloter un drone, c'est impossible. Donc franchement, un grand merci à lui. De toute façon, on mettra ses réseaux sociaux, comme ça vous pouvez voir ce qu'il fait aussi. Allez voir ce qu'il fait, donnez-lui de la force. Ses vidéos sont vraiment top, c'est de la super qualité, donc n'hésitez pas. Et du coup, nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau challenge, pour une petite vidéo sympathique, parce qu'on va continuer toutes nos vidéos, donc tous les dimanches, il y aura une nouvelle vidéo. On va trouver des concepts, on innovera, quoi. Voilà, on va tester des nouveaux produits, des choses qu'on avait envie d'essayer. Comme on vous l'a déjà dit, on va pas refaire tout de suite un grand puzzle, mais vous inquiétez pas, on en fera encore plein des grands puzzles. C'est juste que là, avec la période estivale, l'été, il va faire chaud, on n'a pas forcément envie d'être enfermé tout le temps à l'intérieur à faire ce grand puzzle-là. Donc on reprendra à la rentrée. En septembre. Septembre-octobre. Voilà. On fera un autre grand puzzle. Mais en attendant, on a envie de découvrir plein de marques, de trouver plein de puzzles originaux, même de faire autre chose que des puzzles, mais toujours dans le côté construction ludique. Donc voilà, n'hésitez pas à rester avec nous si vous voulez découvrir tout ça. On vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao.